Nous sommes à un laboratoire de culture in vitro où nous travaillons à la multiplication des vitroplans pour les besoins de professionnels agricoles, donc espèce sur laquelle on travaille. Le bouturage ou le semis reste très 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 difficile à La Réunion. La culture in vitro reste le seul moyen pour pouvoir avoir des vitroplans en quantité pour les agriculteurs. C'est la façon de multiplier ce plan qui est innovant. À partir de Bac+5, trouver un travail dans notre domaine de compétences reste très difficile. La seule solution pour travailler à La Réunion, c'était de créer notre propre activité. On n'est pas chef d'entreprise. Nous, on est issus du domaine de la recherche. Donc forcément, le monde de l'entrepreneuriat, on ne le connaît pas forcément. Et tout ce qui gravite autour du monde de l'entreprise, l'incubateur a su nous les amener petit à petit et nous initier à ces différents codes. L'apport d'un réseau de partenaires, de prestataires qui connaissent le domaine de l'innovation, mais aussi dans l'accompagnement technique. Par ailleurs, on a eu aussi accès à une prestation de marketing et cela nous a permis de mieux nous positionner sur le marché sur lequel on visait. L'incubateur a essentiellement joué un rôle de catalyseur autour de notre projet dans le futur. C'est d'abord commencé par consolider la structuration de l'entreprise de VitroRun, ensuite d'augmenter notre capacité de production pour répondre aux besoins des professionnels et enfin d'élargir nos compétences, donc nos produits, au grand public.